Souviens-toi sans cesse du courage de cette femme d'honneur qui lutte chaque jour cœurs et âmes contre cette douleur, celle de payer le prix le plus cher, la perte d'un fils pour une injustice ou atrocité, et qui a tout de même réussi à pardonner. Je t'en supplie, papa, ou enfant que j'aime, oui, reste avec moi. Je te le redis, crois-moi, le paradis est ici, oui, tout proche de ta maman. Je ne t'abandonnerai pas, remuant cette terre pour une vie avec toi. Je te le redis encore une fois, tes parents, si tu t'aimes, seront toujours là pour toi. Alors dis-moi, pourquoi s'échapper lorsque l'on n'est même pas emprisonné? Quand d'autres rêvent à des libertés, toi, tu en jouis depuis que tu es né. Falsification, incompréhension, occultation, trahison, oppression, destruction, manipulation, conspiration, exclusion, discrimination sont des sources qui mènent à la perdition. Je t'en supplie, ne pars pas, ô enfant de la France, oui, reste avec moi. Tu te le dis, crois-moi, l'avenir est ici, oui, tout proche de chez toi. Je ne t'oublierai pas, si tu me respectes, je te promets d'être là. Je te le redis mille fois, ton pays, ta nation sera toujours avec toi. Alors dis-moi, pourquoi s'enfuir lorsqu'une république t'accompagne et t'instruit? Quand d'autres rêvent de démocratie, toi, tu es soutenu par ta mère patrie. Unification, optimisation, valorisation, éducation, insertion, transmission, formation, profession, compassion, communication sont des sources qui mènent à la solution. Je t'en supplie, ne pars pas, ô enfant du monde, lui reste avec moi. Je te le dis, crois-moi, le bonheur est ici, au plus profond de toi. Je ne te mentirai pas, si tu le cherches bien, oh oui, tu le trouveras. Je te le confirme, de vive voix, faire le bien sur cette terre est notre seule et unique voie. Alors crois en toi, bats-toi, même si un jour la vie te joue des tours. Relève-toi pour retrouver l'amour. Et si cela concerne la perte d'un être cher, tu peux toujours le rendre fier en l'honorant de la plus belle des manières. Ainsi, si cela est compris comme je le pense, le dialogue, la paix, la tolérance sont les clés de l'espoir d'un véritable vivre ensemble.